Bienvenue en France. À la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Mesdames, Messieurs, bonjour. SNCF, supporter national de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, est très fier de transporter le trophée de la compétition. C'est le moment de briller. Cette tournée du trophée, c'est de faire une promotion autour de la Coupe du Monde. C'est de dire aux gens, voilà, n'oubliez pas l'événement, il est chez vous. Il faut en profiter, c'est un beau moment. Bienvenue. On est fiers d'accueillir dans notre ville la Coupe du Monde féminine de la FIFA. L'objectif de cette Coupe du Monde aussi, c'est que ça soit la fête pour les enfants, qu'il y ait beaucoup d'enfants dans les stades, qu'ils puissent découvrir aussi ce qu'est le football féminin et que ça donne envie à beaucoup, beaucoup de petites filles, bah pourquoi pas de chausser les crampons. Il faut aller dans les stades et puis voir les femmes, les jeunes femmes jouer parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de tactiques et de techniques aussi, ça joue à 100%. On a hâte d'y être. Allez les filles! Yeah! Le but, c'est de montrer ce trophée à toutes les villes hôtes. Je pense que les gens ne savent pas ce que représente une Coupe du Monde, ce que c'est une Coupe du Monde. Quand je vois comment ça se passe ici par rapport au stade qu'il y a, les gens qui en parlent, ça va être une vraie fête. Quand vous regardez la Coupe, vous pensez à tout ce que vous avez fait auparavant. En fin de compte, la coupe est là pour vous rappeler le long parcours que vous avez eu avant d'avoir cette coupe. La symbolique du trophée en France, elle est monumentale. Et on veut être absolument derrière les filles parce que ce serait absolument fantastique que les filles, pour leur première Coupe du Monde en France, la gagnent. La victoire était en nous, j'espère qu'elle sera en elles. On accueille sous le soleil de Montpellier. À bientôt à Nice. Rendez-vous le 7 juillet ici à Lyon pour la remise du trophée.